On a un Sephora et tu vas deviner le prix de tous les produits que je mets sur ma tête. T'es prêt? C'est trop dur, je l'ai jamais trouvé. Essaye. Mais je suis pas une vétasse pour savoir les prix. Alors je commence par cet anti-cerne, tu penses qu'il coûte combien? 100 euros. Hein? Un anti-cerne 100 euros? 50. Mais beaucoup moins, 35. Allez, t'es nul. Ensuite, je mets le fond de teint Huda Beauty. Tu penses qu'il coûte combien? Le fond de teint Huda Beauty, il coûte 50 euros. Presque? 60. Non, 45. T'y étais presque. Ça va, c'est pas cher. Pour un fond de teint, Ma vie, ensuite un bronzer terracotta Guerlain, il est comme ça. Pourquoi y'a pas le prix? Mais non, tu triches pas. Combien? Ça coûte 50 euros. T'as triché. Non, parce que je te l'ai acheté à toi, à ma mère et à ma grand-mère. 56, tu étais presque. Ensuite, ma vie, c'est un fixateur. À ton avis, ça coûte combien? Fixateur? Oui. C'est au moins 200 euros, ça. Non. C'est cher, hein. Ma vie, moins cher. 35 euros. T'as regardé. 25 euros. Ma vie, un gloss Fenty Beauty. 50 euros, j'en ai acheté un. Mais pas du tout. 30. 25. Tu t'es fait arnaquer. Ma vie. Oh. Un highlighter, tu penses que ça coûte combien? Ça coûte 10 euros. Pour briller 10 euros, 36 euros. C'est cher pour un petit pot comme ça. Bon, du coup, j'ai acheté plein de produits et j'ai acheté avec la carte à 10 sous. Merci, mon bébé.